Canaris, priorité à l'info. Chers amis, bonjour, nous sommes le mercredi 29 octobre, tout va bien, nous sommes à Lutèce dans le 19e arrondissement, comme tu le sais, eh bien tu l'as reconnu, le studio habituel, Studio Axo, et aujourd'hui c'est une session particulière parce que c'est la première fois que je vais bosser, on l'a vu dernièrement, viens. Emmanuel Curtil, on s'était vu il y a un mois de cela pour un tournage dans la région du Maine-et-Loire, hein, c'est ça. Et c'est pas grave, je coupe pas. Hein. Non, bien sûr. C'est la première fois qu'on va bosser ensemble. Ouais. Tout va bien. Bah écoute, jusque-là, après on sait pas. Hein. Voilà, on va voir. Pas encore commencé la session. Oui, tu débutes dans le métier, on sait jamais, peut-être que je vais te jeter. Quoi. des liners de DJ, des auto-promos et puis plein d'autres choses, parce qu'effectivement, le but c'est de faire une bonne session pour ensuite vous apporter encore beaucoup plus de choses avec ta voix. Je sais que tu es assez timide, assez réservé au niveau de la caméra. Oui, c'est pas un exercice que j'adore, mais voilà. Écoute, donc on va la couper, et puis pendant la session, il y a quelqu'un qui va venir nous voir. D'accord. C'est la surprise, et tu verras qui sera. Voilà. D'accord, très bien. On y va, on va bosser. Ouais. Allez, à tout à l'heure. C'est déjà la fin de cette partie publique du club privé de Yann Harris. Alors si tu veux télécharger et écouter en entier cet épisode complet, t'as sérieusement intérêt à cliquer sur le bouton d'inscription pour devenir un membre privilégié du club privé. Sinon je te fais couiner le nez et je te fous mon calbar sur la tête. Il est doué, Yann Harris, très doué. Mais tant que je serai dans le métier, il ne sera jamais que le second. Allez mon loulou, abonne-toi maintenant et je te promets du violent en info piquante, splendide. Emmanuel, oui. C'est la première fois qu'on bosse ensemble. On est plusieurs en studio derrière la régie, derrière le mixeur. Ouais. Ça envoie du bois. Une grande équipe. Ça envoie du bois. Donc, un vrai plaisir. Maintenant, je vais te prendre un petit peu au jeu. Tu vas fermer les yeux. Vas-y, dis-moi. Tu vas fermer les yeux. Ouais. Et puis, quelqu'un va venir parler dans le micro. Il faut que je devine qui c'est. Et bien sûr, tu essaies de deviner qui parle dans le micro. Ça va être dur, je reconnais jamais les voix. Et dis donc, la riflette, ouais. Là. Oh là, tu viens de dire que t'étais le premier dans le métier, là. Putain. C'est attends, quoi, c'est vas-y, je peux remuer les lèvres. J'ai toujours rêvé d'être doublé par Bruce Willis. J'ai toujours rêvé d'avoir la voix de Bruce Willis, putain. Bah, on est premier ex-éco, alors. Je ne demanderai pas de venir dans mon intimité. Qu'est-ce que vous voulez. Mais... Mesdames, messieurs, donc Emmanuel Curtil et puis Patrick Poivet, je vous avais promis cette semaine qu'on les aurait tous les deux dans le même bocal, ils sont là. Et voilà. Et on est enfermés, les met où ? On fait les met où ? Voilà, allez, à bientôt, à très bientôt. Yann Harris, il dit tout haut ce que les autres pensent tout bas.